Salut, c'est la vidéo du dimanche. La pêche. On pensait tout vous avoir montré à propos des transports, mais il nous est arrivé des choses en 2 mois, n'est-ce pas, professeur? Oui, effectivement. Et cette semaine, nous vous avons concocté un petit top des choses les plus incroyables qui nous sont arrivées. Mais c'est formidable. C'est parti. Un soir, on rentre avec Mathilde et le chauffeur nous demande de descendre. Donc, tout le monde descend et tout. Donc, là, tout le monde commence à se demander c'est quoi le problème, c'est quoi le problème. Et en fait, plus on avançait, parce que voilà, on continue à pied, on a remarqué que le premier en fait avait déraillé. Et donc il bloquait toute notre ligne de tram et il bloquait aussi celle de l'autre côté. Donc c'était un vrai bordel. Faux. Bon, on vient de descendre du tram et qu'est-ce qu'on découvre? Une file de tram, comme d'habitude. Ah oui. Voilà, et les gens remontent et on sait pas du tout ce qui s'est passé. T'as vu qu'il y en avait 7 qui étaient arrêtés. Il y avait combien de trams? 7. 7 trams arrêtés. 3. Vous êtes déjà rentré de soirée très tard? Vous avez déjà pris un bus de nuit plein à craquer? Vous êtes déjà dit, putain, mais le bus va exploser? Mais vous n'avez jamais pris un bus dont les vitres ont réellement explosé sous la pression des passagers. Tout. Oui, il y a un tram qui est bloqué. Et du coup, bah, il y a tout le quartier qui est bloqué. Voilà, bienvenue à Rome. One. Donc aujourd'hui on est coincé parce qu'il y a une voiture qui est garée sur le parcours du tram. Du coup le tram il peut pas avancer. On est bloqué. Malaka. On peut remonter maintenant. Bon ben, toujours pas de tram. À la semaine prochaine.